Merci de nous rester fidèles et bienvenue à ce journal en langue française dont voici d'abord les titres. Le projet de loi portant la révision de la loi régissant la presse au Burundi a été adopté par le Conseil des ministres tenu ce mercredi et une amende allant de 500 000 francs burundais à 1 500 000, telle est la peine recommandée en cas de délit de presse. Et le ministre de l'Éducation rassure que le gouvernement burundais a tout prévu pour que les étudiants reçoivent leur prébourse à temps. Il se dit étonné d'entendre qu'il y a certaines irrégularités à ce sujet. C'était lors de la présentation des réalisations comptant pour le premier semestre de l'exercice en cours. Plus de détails dans ce journal. Page santé pour ouvrir ce journal. La promulgation du décret loi portant création de l'ordre des infirmiers et sages-femmes par le président de la République va faciliter le métier des infirmiers lors d'un atelier de renforcement des capacités chez les représentants provinciaux de l'association burundaise des infirmiers ce samedi. Egide Wigilindavi, vice-président de cette association, espère qu'il y aura des changements remarquables dans l'accueil des patients dans différentes structures sanitaires. Le point avec Omer Ndouayo. L'association burundaise des infirmiers, ABI en sigle, dit être au courant des craintes des patients, dénonçant des mauvais accueils dans différentes structures sanitaires. Egide Bigirindavi, vice-président de l'ABI, tranquillise que des changements seront constatés les jours à venir. Il se réfère à la promulgation du décret-loi portant création, organisation et fonctionnement de l'ordre des infirmiers et sages-femmes. Nous avons mis devant la valorisation de la profession infirmière. Il n'y a pas de valorisation de profession infirmière aussi longtemps qu'il n'y a pas l'ordre des infirmiers. Sans ordre, il y a le désordre. C'est pour cette raison qu'il y a des grognes, c'est que jusqu'à maintenant, on travailler dans le désordre. Chacun faisait ce qu'il veut dans son coin. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? On a demandé au gouvernement burundais de mettre en place l'ordre et nous sommes ravis de l'étape où on arrive et on est en train de voir comment négocier ce qui concerne réellement le leadership de cette organisation pour que réellement on trouve des leaders qu'il faut afin qu'on arrive réellement à faire la réglementation de la profession infirmière et sage-femme. Et en revanche, on aura les soins de qualité, les soins sans faille. Une des soutenues par les représentants provinciaux de cette association qui ont participé à cet atelier. Ceci songe au changement de mentalité. J'ai acquis pas mal de choses parce que ça consistait à nos capacités, à nous donner des compétences, à renforcer nos capacités en matière de leadership, ce qui permettra aux bénéficiaires de nos soins d'être pris en charge de façon globale et de rentrer satisfaits quand ils ont bénéficié des soins. Cette séance vient de me souvenir ce que je devrais faire pour mieux prendre en charge nos patients. J'ai aussi compris que je dois prendre mon patient avec compassion, être empathique envers lui parce que je dois sentir sa douleur comme il le sent. Le décret-loi portant création, organisation et fonctionnement de l'ordre des infirmiers et sages-femmes a été promulgué par le président de la République le 16 janvier cette année. Et page éducation à présent, le ministre de l'Éducation et de la Recherche scientifique se dit étonné d'entendre qu'il y a certaines universités qui n'ont pas encore régularisé les étudiants avec leur prébourse. François Habyarimana indique qu'il n'y a pas d'explication valable sur ce retard lors de la présentation des réalisations comptant pour le premier semestre de l'exercice en cours ce jeudi. Il a rassuré que le gouvernement a tout prévu pour que les étudiants reçoivent leur prébourse à temps. CVLE, il est traduit en français par Jean de Dieu Irakodzi. Ikibazo kijanye no guteba kwa kakagurane leta ihereza abanyeshure bo muri za kaminuza. Kuri ico kibazo
La question du retard dans le paiement du pré-bourse, personne ne me l'a signalé, même les recteurs d'université. Mais ce que je sais est que le gouvernement a débloqué des fonds suffisants pour que tous les étudiants soient payés à temps. Aucune raison n'expliquerait donc ce retard. Peut-être que les uns et les autres n'auraient pas fait ce qu'ils devaient faire, mais nous allons suivre de près et vérifier cette information. Mais je voudrais ici revenir sur un cas qui s'est passé à Bubanza où un parent nous a dit qu'on n'a pas donné de rebourse à son enfant. Après enquête, on a constaté que l'étudiant en question n'avait pas signé le contrat. Puis, il est allé raconter à ses parents qu'il n'a pas été payé alors que c'est lui le fautif. C'est un étudiant de l'école normale supérieure. Après, il a été recherché et a été régularisé après avoir signé le dit contrat. Comprenez déjà qu'il y a des étudiants dont les dossiers ne sont pas au complet, ce qui fait que certains parmi eux ne sont pas payés. Celui qui n'a pas son pré-bourse va justement dire qu'il n'y a pas de paiement. J'informe les étudiants qui nous écoutent que les fonds pour le pré-bourse sont disponibles. Celui qui aura un problème est appelé à informer les responsables de leurs universités pour qu'ils transmettent le message à leur tour. Je vous l'avais annoncé dans les titres, le Conseil des ministres tenu mercredi a adopté le projet de loi portant révision de la loi régissant la presse au Burundi. La dépénalisation partielle des délits de presse est une des principales innovations apportées dans ce projet de loi. Dans un extrait du compte rendu de ce Conseil des ministres, Jérôme Niondima, secrétaire général du gouvernement, informe que ce conseil a recommandé d'infliger une amende allant de 500 000 francs burundais à 1 500 000 en cas de délit de presse. Suivez le secrétaire général du gouvernement. Depuis la promulgation de la loi numéro 1/19 du 11 septembre 2018 régissant la presse au Burundi, les acteurs et partenaires du secteur des médias sont unanimes que cette dernière soit revue dans certaines de ses dispositions pour un double objectif. Primo, contribuer à l'élargissement de l'espace démocratique et des libertés publiques d'une part. Secondo, s'adapter à l'évolution des technologies de l'information et de la communication d'autre part. Les principales innovations apportées à ce projet de loi sont notamment la prise en compte de l'évolution des médias, un élargissement des droits et des devoirs des journalistes et des organes de presse, une meilleure clarification sur la place du cinéma et de la publicité par rapport aux médias, une dépénalisation partielle des délits de presse. Après analyse, le Conseil des ministres a adopté le projet avec recommandation que l'amende pour les délits de presse soit portée à un montant allant de 500 000 à 1 500 000 francs burundais. Actualité internationale, la décision du président Macky Sall de reporter les élections de 10 mois a créé des réactions négatives au Sénégal. Les informations tirées sur Africa 24 indiquent que le climat est tendu depuis cette annonce. La police sénégalaise a dispersé les manifestants ce vendredi. Images et commentaires. Au Sénégal, un rassemblement organisé ce vendredi à Dakar a été immédiatement dispersé par les forces de l'ordre. Les manifestants étaient venus protester contre la décision du président Macky Sall d'annuler les élections présidentielles. Le report du scrutin initialement prévu le 25 février a ouvert une grave crise politique au Sénégal et a plongé le pays dans une période d'incertitude. Macky Sall, ça suffit.
personne n'a jamais touché à la Constitution. Pourquoi l'as-tu fait? Personne n'y a jamais touché. Pour l'amour de Dieu, rends-nous notre mandat. Trop, c'est trop. Nous voulons la paix. Nous en avons marre. Nous ne voulons pas de violence. Quitte notre mandat. La journée a également été marquée par la mort d'un étudiant lors de manifestations à Saint-Louis dans le nord du Sénégal, a rapporté l'AFP. Des rassemblements dans plusieurs autres villes du pays ont été signalés au cours de ce qui a été considéré comme une journée test du rapport de force entre le pouvoir du président Macky Sall, la société civile et l'opposition. Manifester. Personne ne peut manifester sans avoir des ennuis. Macky Sall a fait emprisonner tous les opposants. Il reporte nos élections à cause de sa dictature incompréhensible. Le report de la présidentielle sénégalaise de 10 mois a soulevé une indignation largement partagée sur les réseaux sociaux. L'opposition crie au coup d'État constitutionnel. C'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.